justement. Ou pour la maman. Hein? Mais lorsque tu n'as pas la maman, tiédis ton eau, enlève ton gommage avec de l'eau tiède. Justement. Tu ne dois pas enlever le gommage avec l'eau tiède. Tu ne pourras jamais avoir le résultat que tu cherches. Et ne te gomme jamais comme ça sans toucher l'eau. Justement. Parce que les gens pensent que je vais aller me gommer. Tu ne peux pas prendre le produit. Si tu appliques ça comme ça, ça ne va jamais adhérer. Faut d'abord râler ton corps tant avant que le gommage vienne adhérer. Justement. Et là maintenant, quand tu finis de ça, quand tu viens de faire ça, tu te laves. Hein? Tu te laves, il faut vraiment te rincer. Justement. Parce que tu vas tout sentir. Imagine-toi quelqu'un qui vient de se gommer là, avec tout ce qu'il y a de mal là, sur la moitié que tu mets qu'elle est. C'est ça qu'elle dit que n'importe qui peut se gommer. Je dis bien n'importe qui peut se gommer. Justement. De 25 ans. À X âge. Justement. Tu comprends. N'importe qui peut se gommer. Mais pour les enfants, je ne conseille pas le gommage. Je peux conseiller les gels de douche. Hein? Justement. Même pour les petites filles qui veulent gommer leur corps, machin, ça va aider. Parce que 20 ans, ça veut dire que gommer, tu peux te gommer pour une jeune fille. Bon, les filles, on accouche vite, on fait ceci, on fait ça, tout. Bon, avec 5 ans, tu peux quand même te gommer. Même à 18 ans, 20 ans, tu peux te gommer, mais tu ne dois pas prendre le temps que ça met sur les adultes. Justement. Si un adulte, ça fait 30, mais je ça doit faire 5. Wow. Pas plus de 5. Oui, c'est ça le rôle du gommage. Wow. C'est vraiment très, très essentiel, quoi. Il faut vraiment avoir ces astuces-là pour assurer que bon, le produit aura vraiment ses effets. Oui, lorsque je prends l'exemple. Je prends un lait non éclaircissant, mais voilà. Je veux avoir un teint bien propre. J'ai seulement besoin de mon gommage ici et mon gel de douche. Justement. Mais Sophie, vous avez dit que mais pourquoi vous faites dans ça, vous ne voulez pas. Chacun a son style de vie. Justement. Il y a certains qui font la lait sans noir. Certains qui font la lait rester naturel. Mais si je dis que je décape ma peau en quelques secondes, je le fais. Parce que je maîtrise tout le secteur. Oui. Actuellement, là, maintenant, ma tête n'est pas là que comment je dois gérer ma peau. Parce que moi, je dis, okay, mais pourquoi ça peut être comme ça? C'est juste parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Justement. Comme je suis rentré, ils sont allés encore aller chez les gens. Je suis rentré chez moi à 23h. Je me suis mal lavé à aller dormir. Tu peux imaginer. Donc, je n'ai même pas le temps de soi-même. Maintenant, quand peut-être je vais mettre les gens comme vous, tout, peut-être vous me refaites les vidéos comme ça, demain, tu pourras prendre soin. Ah, pas, je vais prendre soin. Justement. Lorsque tu te gommes maintenant, peut-être tu as le gel de douche qui est fait à la plante. C'est fait des produits que nous consommons. L'ananas, les épluches de pamplemousse. Donc, ce sont mes Des produits naturels en fait. Et les produits naturels les sont. Les fruits naturels. Les déchets de fruits que l'on jette là. Justement. Et c'est que moi je récupère pour faire mon gel de douche. Ok. Waouh. Hein? Wow. Et c'est pour ça que je dis que c'est 100%. Naturel. Ça n'a pas les effets secondaires. Ça ne va pas te faire le genre que ça te blesse ici, ça laisse les choses. Ça fait... Non. Maintenant, alors, il y a trois qualités de gel de douche. Ou quatre qualités. Tu peux faire le gel de douche rien que pour adoucir la peau, que la peau soit souple. Tu peux faire le gel de douche pour éclaircir la peau. Tu peux faire le gel de douche pour blanchir la peau. Là, maintenant, c'est le niveau, comme c'était au niveau de. La crème tout à l'heure. Oui. Niveau. Maintenant, quelqu'un, il y a des gens qui veulent seulement utiliser ça et ça. Le gommage, plus le gel de douche, je mets son lait de bébé. Il est propre. Justement. Là, maintenant, je te conseille de prendre le gel de douche super éclaircissant. D'accord. Et qui doit, lorsque tu te laves, tu prends un peu, tu peux prendre même un savon de bébé sans tête, tu laves, tu finis de laver avec ça, tu rinces ta peau avec ceci. Justement. Les pores qui sont ouverts, le gel qui entre, ça entre, ça pénètre la peau. Justement. C'est. Ça a beaucoup plus d'effet. Ça a beaucoup. Wow. Ça veut dire chaque chose à ça. Lorsque tu utilises tes lieux, tu n'as pas besoin. Les gens pensent que l'onjang sang qu'on fait l'un de nos jours, le mauvais terme, quand on dit l'onjang sang, moi je n'appelle pas ça l'onjang sang. J'appelle ça le nettoyage de la peau. Parce que quand on dit l'onjang sang, c'est trop dit. Les gens s'attendent à quelque chose. Aujourd'hui, tu vas prendre les produits, tu vas brûler, demain, ça va te faire vieillir la peau. Mais qui est perdant, c'est toi. Je dois prendre les produits. Ça va te